Les populations de Grand Dakar, Diriwa et Lindiane vivent un véritable calvaire avec le dangereux canal Sauvage qui traverse leur quartier. Ce canal Sauvage à ciel ouvert, en plus d'être un nid de moustiques pendant l'hivernage, constitue un véritable danger public pour les populations. Depuis plus d'une vingtaine d'années, ces populations sont obligées de côtoyer ce monstre aux conséquences fâcheuses. Plusieurs personnes y ont perdu la vie, emportées d'une manière foudroyante par les eaux de ruissellement. S'il y a-t-il des cas d'accident ? Parce qu'au moment de l'hivernage, presque tout le temps, on assiste à des cas d'accident ici. La surveillance surtout, on les surveille surtout au moment de la saison de pluie, ce qui n'est pas vraiment normal. Parce qu'ils sont au sein d'une région, vraiment, tout devait normalement passer dans l'ordre, mais pour le quartier ici, vraiment. On surveille les enfants au moment de la saison de pluie. Pour les cas de noyade. Fort de ce constat alarmant, les jeunes du quartier Lindiane Diatir ont initié une action de haute portée citoyenne qui consiste à réaliser des passerelles afin de faciliter et de sécuriser les déplacements des populations pendant la saison des pluies. Les travaux pour la réalisation de la première passerelle lancée la semaine dernière résultent de l'engagement patriotique de ces jeunes. Idrissa Sadio, qui porte leur parole, parle des raisons qui ont motivé cette action. Cette revue de conscience a été motivée d'abord par les habitants de ce quartier. Parce que nous avons vraiment constaté au moment de la saison de pluie, la traversée est un peu difficile pour des personnes. C'est pour cela que nous avons organisé, juste avec des cotisations qu'on a pu organiser, pour vraiment pousser vraiment à décider, à nous organiser entre nous, pour vraiment réaliser ce passerelle que nous voulons vraiment. Ces jeunes projettent de réaliser plusieurs passerelles, un engagement qui va nécessiter beaucoup de moyens financiers et qui mérite d'être soutenu. Ça tourne autour de 2 millions pour réaliser. Et l'objectif, c'est juste pour réaliser si possible, si on peut faire des multitudes de ponts ou bien 6 ponts, c'est ça que nous voulons vraiment réaliser 6 ponts. Idrissa Sadio qui précise qu'ils ont pris toutes les dispositions pour se lancer dans cet élan citoyen, appelle les bonnes volontés à accompagner cette initiative. Ces jeunes invitent les autorités locales et étatiques à tout mettre en œuvre pour la réalisation de ces voies afin de mettre un terme à leur calvaire. Amadi Khalilou Yemejigien Chor pour la Radio-Télévision Wolfadjiri.